Avec Willy Revelli, Arnold Derek et sa tribu sur France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Bonjour la France, bonjour Laurent Petit-Guillaume, c'est Willy. Et oui Laurent et Willy, bon ça marche beaucoup moins bien évidemment qu'Arnold et Willy, mais j'ai décidé de mettre ce truc quand même parce que ça prend 10 secondes et quand t'as rien à dire dans une chronique, bah 10 secondes ça ne se refuse pas. Oui Alex, parce qu'habituellement l'animateur s'appelle Arnold, tu vois, donc, oui. Arnold et Willy, ça marche tu fais mieux. Le gag tous les jours, mais oui, voilà, mais là, voilà ça... les gens sont heureux, standing ovation tous les jours, c'est oui. La folie, voilà 20 secondes de gagner, ça se refuse encore moins. Bah là, du coup ça fait 30. 30 aujourd'hui nous recevons donc l'animateur Alex Good pour développer avec lui le thème bouleversant, être jeune et célèbre au 21e siècle. Qu'est-ce que... Ce qui tombe très bien, lui qui a été jeune et célèbre au 20e siècle. Voilà. Je te taquine, Alex. Il est taquin, alors je le taquine. Non, franchement, aujourd'hui, Alex, qui est animateur, le sait bien. Avec toutes les émissions de télé-réalité, être jeune et célèbre, c'est pas très difficile. Non. À l'époque, t'imagines, pour espérer percer. Ça dure percer, pas longtemps. Et ça dure pas longtemps. T'imagines, à l'époque, pour espérer percer, il fallait avoir du talent et travailler. T'imagines l'horreur. Après, aujourd'hui, ça marche pas à tous les coups non plus. Là, par exemple, bientôt, ils reprennent The Voice. La gagnante de l'année dernière qui rêvait d'être célèbre au 21e siècle leur a surtout été 21 minutes. Elle s'appelle Whitney Marin. T'en souviens de Whitney Marin? Je savais voilà. Même pas qui avait gagné. Eh bah si. L'autre, elle s'est dit, je vais me prendre un pseudo entre Whitney Houston et le monde de la mer. Un mix entre Bodyguard et Saupiquet. Avec ça, je vais tratisser large. Eh bah, le râteau, elle se l'est pris dans le pompon, Marin. Oh non. Oui. Quand elle va dans les maisons de 10 pour proposer son album, ils retournent leur fauteuil, mais dans l'autre sens. Hein. Bonjour, je suis Whitney Marin. Ça va, allez, c'est bon, dégage, merci. Allez, hop là. Sinon, pour être connu depuis quelques années, rien de tel qu'un truc du style les ch'tis à Ibiza. Vous connaissez les ch'tis? Oh, quand même, évidemment. Les ch'tis à Ibiza, qui, une fois les caméras éteintes, deviennent les ch'tis au RSA. Pour faire ce genre d'émission, pas besoin de connaître les ficelles du métier, les ficelles du string, ça suffit amplement. C'est quand même grâce à ça qu'on a connu Nabila, qu'on aime tous, oui, évidemment. Oui. Qui a sorti sa bio à 23 ans, ce qui est déjà presque tard pour une bio quand même. Mais charmante, moi je suis sûre que son futur bébé ne manquera de rien, au moins au niveau de l'alimentation. Oh. Sinon, si tu veux réussir, rien de tel que de faire des vidéos sur Internet. Tu tues un chaton, tu filmes, tout le monde te connaît. Hein. Ou sinon, tu fais des vidéos dans ta chambre. Ah, salut, c'est Popol, fait des vidéos. J'ai 35 ans, mais je parle encore des trucs d'ado. Tiens, aujourd'hui, on va parler de l'école. L'autre jour, la prof, elle m'a dit « Popol, tu prends la porte !» J'ai dit « D'accord, mais je la mets où ?» Voilà, bon ouais. Bah ici, pas rictus, mais je te fous ça en vidéo, je suis millionnaire. Mais bon, après tout, la célébrité, ça sert à quoi? La célébrité, c'est quoi? Savoir une bonne table au resto, savoir des sourires dans la rue quand on vous reconnaît, c'est faire des soirées portables où Apple vous offre le dernier iPhone juste parce que vous êtes connu, c'est recevoir des photos de Zizi sur Facebook. Ah, là, ça intéresse Vanessa et Fred. Je vous laisse gérer ça, Alex Good, faites quand même attention à toute cette bande des pervers parce que d'ici 13h, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Oh là là, bon ouais. Bravo. Mais qu'est-ce qu'on lui met dans sa gamelle le matin? Retrouvez la même tout France Bleu sur francebleu.fr.